Donc c'est parti, séance biceps triceps, mais je trouve que c'est assez rapide et en fait j'ai pas encore assez bien d'exercice et encore bien travaillé cette séance. Un peu devant, et vous allez peut-être me demander, et non, je fais jamais de séance complète cardio, etc. J'en fais toujours un petit peu pour m'entraîner au début, mais sinon pas d'entraînement. Donc voilà, c'est parti pour la salle et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai fini ma séance, du coup j'ai pas fait d'abdos, tout simplement parce que j'ai quand même déjà fait désolé le vent, je me suis mis dans une protection de vent, mais en fait je crois pas, j'ai quand même fait 40 minutes les bras, et là j'ai les bras en compote. Mais vraiment, genre c'est mon plus gros point faible, est-ce que j'aime le moins bosser parce que j'ai pas les bras très musclés. Donc voilà, maintenant c'est parti, je vais aller chercher mon colis, et en plus ça rime, n'est-ce pas magnifique hein. Va falloir, je suis en train de me dire qu'il va falloir que je décharge de la voiture tous les colis. Je pense qu'il va falloir que je fasse deux voyages parce que les trois colis je peux les faire en un coup, et encore il y a des escaliers à monter et des portes à ouvrir, mais alors avec l'autre colis je pense que je vais devoir faire deux voyages. Et je pense que vous voyez derrière il y a un petit peu de soleil, il y a quand même un peu de vent, mais il y a quand même un petit peu de soleil, c'est pas le grand soleil de fou et la chaleur, mais c'est déjà pas mal. Bon, maintenant faut ramener tout ça. J'ai voulu tu prendre d'un coup, déjà je me disais enfermer le coffre, il y en a un qui est tombé. Donc je crois que ce que je vais faire c'est que je vais les poser dans l'ascenseur. Mais déjà les portes elles tiennent pas tout seules. C'est pas pratique. C'est toute une galère, moi je vous le dis. Celui-là il est tout. Allez viens là. C'est bon là, ma séance bras en fait je l'ai continué à la maison. Voilà, c'est Noël alors. 4 gros colis à ouvrir. Je les ouvrais maintenant, là-bas je voulais tourner ma routine après le sport, mais finalement je me dis que la semaine prochaine je suis de matin, donc j'irai à la salle dans l'après-midi, je pense que j'aurai plus de temps. Parce que là il est déjà un peu plus de midi, le temps que je tourne, que je me lave les cheveux, tout ça, j'aurai pas trop le temps du coup voilà. Je vais ouvrir les colis, je vais me doucher vite fait, enfin vite fait, faut quand même que je me lave les cheveux, comme ça mon copain ensuite il rentre, il fait à manger, puis voilà. Alors première chose c'est un shampoing. Mais vous pouvez voir que les petits trucs verts en ont foutu partout, donc c'est OGX, je sais pas exactement comment ça se dit, mais en tout cas du coup je vais tester ça. Et voilà, il y a ici l'après shampoing, donc Brazilian Keratin Smooth. Ensuite ce grand colis, alors je sais ce que c'est, sauf que je sais pas si vous allez voir. En ouvrant le colis, eh ben, j'ai complètement découpé la protection en fait. C'est génial, voilà. Du coup, à l'intérieur, c'est un tapis de sport. Bon, du coup, il a une protection ouverte, c'est sympa. Vous avez sûrement déjà vu que j'en ai un bleu, mais il n'est pas terrible. Mais alors celui-là, il a une de ces matières, mais tellement, il a l'air tellement bien. En plus, violet, j'adore le violet. Vous le voyez, un violet pas top, vous, hein, à cause de la lumière. Et ensuite, et donc avec, il y a Absolute Body, donc obtiens ta soulette de rêve. Donc en fait c'est un programme, je sais plus c'est sur combien de temps, je sais pas si c'est pas 14 jours ou un truc comme ça. Enfin bref, je vous laisse aller voir, il y a les réseaux sociaux notés ici, je vais ouvrir le truc. Et donc voilà, plein de petits trucs de sport, ça c'est cool. Bon, j'ai été coupée depuis tout à l'heure, là il est... Je vous reprends seulement, il va être 15h. Je suis devant des vlogs, j'étais en train de répondre à des mails. Sinon, à midi, on a mangé des spaghettis avec de la sauce arrabbiata et des knacks. Sauf que j'avais pas fini mon assiette, puisque il avait fait une assiette énorme. Du coup, j'avais plus faim. Sinon, donc les autres colis. Il y avait un colis My Protein, donc avec des noix de cajou et des noix du Brésil qui sont posées là. Et pour mon copain, un jogging qui est une matière géniale, qui a l'air trop confortable. Enfin, il est parti avec, du coup, je peux pas vous montrer. Et une veste. Et moi, je me suis pris... Gros zoom sur mon nez, après on me dit que j'ai un grand nez. En même temps, quand tu fais un gros zoom, voilà. Du coup, je me suis pris deux leggings. Donc, un comme ça, en fait, il est un peu... Vous le voyez un peu plus bleu, mais il est plutôt vert. Un peu vert canard, voilà. Il a l'air grave bien, et en fait il a des... de la transparence ici, vous n'allez pas trop voir parce que bah, je suis pas dedans, mais voilà. Et sinon l'autre legging, donc il a l'écriture My Protein comme ça en rouge, et il est tout noir comme ça. Mais il me semblait au début que j'avais pris celui-ci mais en noir, mais
Peut-être qu'il n'y avait pas ma taille ou alors je sais pas. Non, où je me suis dit, je crois que je m'étais dit que j'avais déjà plein de leggings noirs et que du coup je le recommanderai plus tard. Et j'avais oublié dans ma commande, je voulais commander les chips, ça va être des protein bites de la gamme pour femmes je crois, parce qu'il me semble que les paquets sont violets. Et j'avais zappé, mais de toute façon je recommanderai plus tard. Et l'autre colis, le dernier, c'est un mystère, c'est une vidéo que je dois tourner avec quelqu'un que vous voulez voir dans mes vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, je crois que je vais finir mon assiette, c'est un petit peu froid, mais bon, enfin, qui est même carrément froid. Mais ça va, ça me dérange pas, ça fait comme des petits snacks en apéritif. Et oui, je sais très bien que les knacks, c'est parce qu'il y a de meilleur à la santé que ce qu'il y a dedans. Voilà, vaut mieux pas regarder les vidéos où ils vous montrent comment c'est fait. Mais c'est bon, c'est tout, voilà. Quand t'as prévu de filmer une vidéo et que... ils ont décidé de faire des travaux. J'ai un petit problème, je voudrais déplacer la table basse, sauf qu'on peut pas la soulever parce que ça déboîte le truc et que j'arrive pas à la prendre depuis le dessous parce que c'est trop lourd. J'ai déjà pas mal avancé. Là je vais m'occuper. Ouh, j'avais le nez qui picote avec ses poussières. Nettoyer tout bien la plaque. Tout ça. Ensuite je rangerai la vaisselle. Je referai l'eau de vaisselle aussi. Comme ça je nettoierai le lavabo. Voilà. Il faudrait que je passe la serpillière. Pour l'instant j'ai fait que l'aspirateur ici. Mais après il y a encore tout là-bas. J'ai. Regardez-moi ça. Des cartons. Alors il y en a certains qui sont dans cette pile que je garde, qu'il faut que j'en mette dans le garage. La poubelle et le plus, c'est horrible comme on n'utilise quasiment jamais la poubelle normale à part pour mettre des épluchures ou des restes de nourriture. On l'a changé une fois depuis qu'on est là, donc en plus d'un mois. On l'a changé qu'une fois, donc c'est horrible cette odeur là, ça pue. J'ai mis du pit, mon truc spray assainissant qui sent un peu la menthe, mais bof. Et regardez-moi tout ce verre là. Toutes ces bouteilles d'alcool et de sauce, enfin pour en verre là de sauce. Il faut que j'aille les vider. Ça va, on a un truc en verre pas loin du tout. Enfin 2 secondes quoi, donc nickel. Il faudra que j'emmène les poubelles jaunes, enfin bref. Ce coin, je le ferai après. En plus ça pue la poubelle là-bas. Donc là, je vais m'occuper de ce petit coin. C'est parti, j'ai préparé mon petit seau. Je passe ma petite serpillière. Par contre, le produit qu'on avait acheté, en fait, on n'a pas fait gaffe. C'est un truc qui peut. Ils disent que ça peut s'appliquer directement, genre sur le sol ou quoi. Et qu'ensuite, il faut essuyer avec une serviette ou une serpillière humide. Moi, je l'ai mis directement dans l'eau parce que. Voilà, ils disent qu'il faut qu'on n'a pas besoin de le diluer. Mais. Bah, j'ai l'habitude du coup de faire avec de l'eau. Puis là, je peux pas mettre. Directement sur tout le sol, sinon c'est dire que je vide la bouteille quoi. Donc non, c'est pas ça à la base, mais comme ça ça va le faire. Par contre faut pas que je mette ça au pied parce que c'est des chaussons qui vont finir trempés. Je crois que j'ai même pas ramené genre des tongs ou un truc comme ça. J'aurais dû ramener un truc de ce genre parce que le seul truc que j'ai qui est propre et que j'ai jamais mis dehors, c'est des talons aiguilles. Je mets des talons aiguilles pour faire le ménage. Bon bah du coup je fais la vaisselle. Là du coup j'attends que ça sèche. Une fois que ce sera sec je repasserai un coup l'aspi. Parce qu'à chaque fois je retrouve toujours d'autres saletés quand je passe la serpillière. Donc voilà, j'ai ouvert un petit peu la fenêtre parce que ça sèche pas très très vite. Puis comme ça ça aère un petit coup en même temps. J'ai baissé le chauffage du coup. Parce qu'on va pas chauffer la rue non plus hein. Va falloir que je range ici, mais là je crois que je vais aller emmener les poubelles. Mais du coup faut que je mette un t-shirt parce qu'en fait je suis toujours avec ma brassière de sport. J'ai juste changé de bas. Voilà voilà. Ensuite faudra aussi que je fasse la chambre, tout ça. Bon, et toujours mon petit bol d'eau. Mon radiateur là est froid hein, mais...
Mais voilà. Je vais juste mettre. Je crois que j'ai juste enfilé un pull par-dessus. Comme ça, j'aurai pas trop froid. Donc en fait, faut que je fasse le tri de tout ça. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je mets à la poubelle jaune? Et que je défasse tous les cartons que je mets à la poubelle jaune, que je les déplie. Mais je vais déjà emmener la poubelle normale et ce sac là. Parce que ça pue, la poubelle normale là, c'est horrible. J'ai déjà emmené ça comme poubelle. Mais ça sent encore un peu et puis ça a fui un petit peu par terre. Je vois une petite boue. Et il y avait deux petits trucs dans la boîte aux lettres. Et ici. On les ouvrira tout à l'heure. Et voilà, tout est plié là-dedans. Et là, c'est notre ancien dressing. Et là, c'est. Donc je vais le descendre dans le garage. Et je vais descendre aussi des cartons vides, des enveloppes bulles et du papier bulle. Hop, ça c'est fait, du coup j'ai même fait le vert en attendant. Hop, là c'est à peu près sec partout, est-ce que je vois. Ça c'est cool, il y a le tapis qui est dehors. Le pauvre. Et j'avais bien raison pour les voisins à côté. Parce qu'en fait là ils sont en train de déménager. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vu quelqu'un ce matin et qu'avant il n'y avait personne. Parce que là ils font des allers-retours avec les cartons, les matelas, les machins, les trucs. Donc voilà, je suis allée au vert, je suis allée emmener les cartons en bas. Puis avec les portes qui se referment toutes seules, tu peux pas les laisser ouvertes. Donc il faut ouvrir avec la clé. Parce que c'est une sécurité pour aller au garage. Du coup ensuite tu tiens avec ton pied, tu reprends tes cartons, tu machins, tu pousses avec tes fesses. Bref, c'est toute une organisation. Sinon du coup j'avais mis j'ai lavé l'intérieur en fait de la poubelle. Parce que ça avait coulé un petit peu. Et du coup je l'avais fait sécher là. Parce qu'il est quand même assez grand. Il est pas tout à fait sec à ce que je vois. Parce que du coup c'est quand même mieux que de mettre un truc sec. Ah, ça sent encore, hein. Pourtant j'ai lavé, hein. C'est un truc de fou. Bon, la poubelle ça pue. Donc voilà, c'est encore un peu mouillé. Et qu'est-ce que je vais faire là du coup? Ouais, j'attends que j'ai fait la vaisselle avant, comme ça, si elle sera sèche, je pourrai tout ranger et bien laver l'évier comme il faut, enlever ce machin dégouttoir qui est pas très très beau d'ailleurs. Je vais laver tout, laisser deux tables, tout ça. Je repasse un coup l'aspi maintenant, tu vois, pendant qu'on y est. Bon, j'avais secoué le tapis, mais je l'ai en plus aspiré. Du coup, ça fait des belles traces. C'est magnifique. Je me suis quand même retrouvée à sécher ma poubelle au sèche-cheveux. Il reste 2-3 gouttes d'eau. Et franchement, ça passe nickel. J'ai même nettoyé le tour de la poubelle aussi. Voilà, parce qu'il y avait une trace. Et maintenant, prendre un sac poubelle. Par contre, je vous jure que... Attendez, je vous mets là. J'ai jamais compris ces sacs-là. Mon copain qui a voulu acheter ça, là, les handy bags. Déjà, je pense que ça coûte plus cher. Et en plus, c'est pas large. Du coup, je suis obligée de craquer un truc rouge comme ça pour pouvoir le mettre autour de la poubelle. Du coup, la fonction handy bag ne sert plus à rien. Parce que je sais pas si vous voyez, il est resserré. Du coup, là, en fait, ça s'ouvre pas plus. Du coup, je sais pas si c'est moi qui ai un truc qui comprend pas ou pas. Mais du coup, il est pas large. Donc ça, ça rentre pas autour de la poubelle, quoi. Donc du coup soit c'est moi qui comprends pas un truc, soit je sais pas. Finalement j'ai réussi à le mettre parce qu'en fait c'est extensible. Et je pensais que ça allait. L'autre coup ça s'était craqué. Du coup je m'étais dit bon bah ok. Et là ça a l'air d'aller. J'espère que vous êtes très contents que je vous partage mes histoires de sac poubelle, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. La table basse pour l'instant je la laisse là parce que je peux pas la soulever pour la mettre sur le tapis. J'ai pu la glisser en fait pour la sortir. Mais je peux pas la glisser comme ça parce qu'il faut soulever quand même pour mettre sur le tapis. Du coup, j'attendrai mon copain. Il est déjà 17h30. J'ai pas filmé de vidéo. Tout va bien. Tout va pas bien du tout, non. Je suis pas douchée. J'ai pas lavé les cheveux. J'ai pas nettoyé la salle de bain. J'ai pas passé l'aspirateur dans la chambre. Et il reste encore pas mal de petites choses à ranger. Bon, maintenant que j'ai. Ah, sors de là, toi. Passer l'aspirateur dans l'entrée. Je vais passer la serpillière. Voilà, voilà. D'ailleurs ici ça fait tout vide, du coup je sais pas ce qu'on va mettre encore. Mais ce serait cool de mettre un petit truc parce que du coup c'est tout blanc, tout vide, voilà voilà. Voilà voilà. Maintenant que l'entrée c'est fait, j'ai pas mal de petites choses à ranger dans la chambre. Parce que les habits qui traînaient je les ai posés là. Donc ça, enfin pas mal. Ça va prendre 2 secondes, hein. Il y a juste des habits qui traînent par terre. Donc il y a juste, c'est sale, c'est propre. Genre ça, c'est mes petits nouveaux. Alors que je les range. Je viens de retrouver le pantalon que j'avais dit que mon copain avait pris sur MyProtein. En fait il l'a pas du tout, mais je me disais bien, je l'avais pas vu partir avec. Genre c'est un jogging comme ça. Et il fait pas genre pâte jogging quoi.
Et il a une matière mais tellement douce, franchement. Et j'aime trop ce gris un peu chiné en fait. La semaine prochaine, j'aimerais bien aller dans un magasin, genre un peu déco et tout, parce que franchement, cette couette-là, voilà, on en a marre. Et puis, il faut absolument qu'on s'occupe aussi pour la machine à laver, parce que ma maman avait pris du linge, tout ça, et machin, et la laverie, franchement, ça me saoule. Enfin, j'y suis jamais allée. Et ça m'inspire pas, donc voilà. Mais le problème, c'est qu'on voulait une. Oui, bref, j'étais en train de dire, on voulait une machine à laver avec Hublot, et bah, en fait, ça passe pas. Genre à quelques centimètres, du coup, c'est un peu bête. Donc voilà, on voulait faire ça pour pouvoir mettre le lave-vaisselle en dessous en fait, parce qu'il existe des trucs pour les superposer, des trucs exprès. Mais je crois qu'on va devoir prendre une machine à laver basique qui se soulève et puis le lave-vaisselle, bah tant pis quoi. Quand t'es deux, ça va largement. Je suis désolée, j'ai plus de batterie, je vais aller me doucher. Je pensais avoir chargé cette batterie ce matin quand bon, je me suis douchée. Je suis un peu à la bourre quand même. Là, je vais vite fait ouvrir mes colis. Oui, j'ai sur mon petit peignoir Pouka, voilà. Et je m'en fous, il est bien. Et donc voilà, je regarde le vlog de Noéline. Enfin, le vlog, n'importe quoi, la vidéo. Et regardez ce que j'ai reçu. Donc le mini macaron. Et c'est la couleur. Rose crème. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas tester parce que je suis en stage. Mais dès que je sors de stage, je teste cette couleur. Ensuite, ce que j'ai reçu, c'est PandaCraft. C'est un kit. Donc, moment créatif à partager en famille. Donc, c'est avec Gulli aussi. Donc, ça, en fait, je voulais le tester avec Lily. Donc, je sais pas quand c'est que je vais la voir. Mais je pense que ça peut être cool. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a le mag là. Donc, en fait, le thème, c'est Arrête ton cinéma. Donc, vous pouvez. Créer et projeter votre premier dessin animé, donc je trouve ça trop bien. Là, du coup, il y a des petits autocollants et ici encore plein de petites choses, des petites baguettes là, tout ça. Donc, je pense que ça peut être vraiment cool. Donc, voyez un petit peu ce que ça va donner. Bon, comme je vous avais dit à la base, je voulais me filmer une vidéo, sauf qu'en fait, c'est donc toujours le challenge make-up qui s'était supprimé l'autre coup. Mais je me dis qu'en fait, je vais pas me maquiller maintenant, alors que je me suis tout bien lavé le visage et tout. Donc, vu qu'en fait, j'avais oublié, mais je finis à 14h30 lundi, et comme je poste mes vidéos à 17h, finalement, je vais pouvoir faire ça lundi, donc ça va le faire. Bon, là, je viens de faire le lavabo, le miroir et le sol de la douche, du coup. J'ai passé l'aspi, donc je vais faire le sol normal. Nickel, l'aspirateur est passé ici. Donc voilà, le ménage est fini. J'ai plus qu'à ranger là ce que j'ai reçu, mon manteau et la palette, et ce sera bon. Et aussi ce petit coin en fait à ranger aussi. Bref, de toute façon, je pense que je vais vous laisser pour ce vlog. Il est déjà 19h18, mon copain va pas tarder. Faudrait bien qu'il range son tas de je ne sais quoi parce que là. Ça fait pas très rangé, puis il y a pareil un petit tas dans la chambre qu'il a laissé. Ce serait cool que ce soit rangé. Sur ce, du coup, je vous fais de gros bisous. Je sais pas si je vais vlogger demain. On verra, mais voilà. Je vous dis à demain quand même. Bisous.